Rapport de la Banque mondiale, 640 milliards d'ariars engagés par l'État au premier trimestre. 640 milliards d'ariars, c'est le montant des dépenses engagées par l'État au premier trimestre de l'année, rapporte la Banque mondiale dans la note d'analyse économique qu'elle vient de publier. Ces dépenses sont principalement destinées au fonctionnement de l'administration. 50% ont été utilisés pour le paiement des soldes et 22% pour le paiement des intérêts des dettes. Seuls 45 milliards d'ariars ont été affectés aux investissements alors qu'ils constituent, selon les termes de la Banque mondiale, des instruments de mise en œuvre de la politique du gouvernement se rapportant à l'entretien des routes, le renforcement de la sécurité alimentaire ou encore les actions ayant des impacts directs sur la population dans le cadre des secteurs sociaux. La même source indique que l'essentiel des dépenses d'investissement engagées au premier trimestre est consacré aux services publics généraux et est engagé au niveau du ministère des Finances et du Budget.